De Clermont, j'ai une super vue de ma piole. C'est la première fois que tu vas à Clermont? Ouais, mais en ce moment on fait plein de villes avec des tramways en tournée, c'est incroyable, donc j'ai la chance d'avoir encore un tramway. Hop, à plus, vous restez chez moi. C'est combien vous déplacez à chaque fois? On est 6, il y a Seb, Hoog, le guitariste, Seb le bassiste, Greg, le batteur, il y a Audrey à la sono et on a une régie. La la
J'aime bien les petites salles parce que ça permet une proximité entre les gens et c'est pas mal que les gens transpirent une certaine sexualité électrique et c'est mon côté un peu un peu pan-star. Alors cette chanson s'appelle The Train.
Avec Sia, depuis qu'elle a 14 ans et demi, je suis l'ancien un peu du groupe. Je l'ai connu par des potes, enfin, qui cherchaient un guitariste à l'époque. Et du coup, ils m'ont appelé, on s'est rencontrés, on est dans un studio. Et puis tout de suite, c'était assez sympa. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu joues avec Isia? Ça fait un mois. Je remplace Vince, l'ancien batteur, sur quelques dates. Et après, à partir de septembre, c'est moi qui prends le relais.
J'ai pas un parcours, ça a été plutôt une suite d'heureux événements. Voilà. C'est juste que j'ai commencé à faire de la musique, vraiment composer mes morceaux. J'avais 13 ans. Et j'ai composé deux morceaux qui sont encore sur l'album aujourd'hui. Puis après, j'ai rencontré des mecs et qui m'ont permis de m'accomplir encore plus. Et on a fait cet album, on a fait des concerts, on fait ce disque. Et on joue ce soir, et voilà. Donc c'est cool. Pour un festival, c'était déjà là. Il y avait Seb, on avait monté un concert de genre 5 chansons.
Et voilà. Et c'était pour un festival et c'était. Ça s'est hyper bien passé. Et bizarrement, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup changé d'aujourd'hui. J'ai toujours été un peu vénère, toujours été un peu dans tous les sens. Voilà, un peu perturbée, un peu. Voilà. J'ai toujours été comme ça et j'ai jamais changé depuis mes 14 ans et demi. Scéniquement, je suis toujours la même boule de feu. Cette chanson, la prochaine chanson s'appelle Blind. Et c'est une chanson pour se bouger le cul, quoi. Pour sortir dans la rue et dire qu'on n'est pas content. Si vous n'êtes pas content, soyez pas content. Si vous êtes content, vous pouvez être super content aussi. Quand on n'en sent pas une, on la fait pas. Bon, on a une cette liste, elle est là.
Donc il y a les titres, il y a les titres écrits et tout. On a même mis ma jolie photo de pochette d'album, voilà. C'est mon régisseur Roby qui a fait un très bel effet graphique et un très bel effort, voilà. Mais voilà, il y a une setlist, mais bon, c'est quand même un peu au feeling, quoi. Ça dépend de ce qu'on veut faire. On la suit assez, assez rigoureusement en ce moment, j'ai l'impression. Oui, ça arrive une fois, ouais. Cette chanson s'appelle Hey Bitch! Enough!
merci. Arrête de faire ton éco-citoyen, ça me rend dingue. Attends, tous les soirs, ils font son bilan carbone. Hein. C'est vrai. 200 litres d'eau, quoi, dans une baignoire. Non, mais t'es pas obligé de la remplir en entier. 200 litres d'eau, mais 200 secondes de plaisir. C'est pas dans un pédiluve, ça m'intéresse pas. T'aurais pu. Non, mais tu te mets ça, tu flottes. J'ai arrêté les cours à 15 ans, les gars. Si vous commencez à faire de la chimie, là, je suis pas, quoi. Non, mais ton corps plongé. Y'a pas de vocalise, pas de répète. Dans un lit. Comme ça, les avant-concerts. En fait, j'allais commencer mes vocalises. Et vous êtes venu pile poil au moment où j'allais commencer mes vocalises. C'est ballot, hein. Oh, merci. Ouais, moi. So come on, take your bath. And let's go to the side. Les jeunes rigolent qui sont dans la salle.
Et il y en a un bon paquet, mon gars. Non, il est trop tôt pour la choré. Bon, d'accord. There are faces behind me. I put my head on my pillow. I see there are faces behind me. And now I don't know what to do. We'll be right back.
trouvé ça plutôt énergique, sympathique. Bon style, ça a l'air en concert, ouais. Une bonne coupe de bon cheveux. Style, ouais. On aime bien, on a l'album. Donc c'est une grande découverte pour moi ce soir. C'est sympa, ça ressort du lot un peu, ouais. Ouais. Ça change un peu ce qu'on a l'habitude de voir, donc bon. Ok. C'est beau, come on, darling. I need your help, too.
Et Grégory Jacques à la batterie. Et sa pilosité incroyable, qui fait rêver de nombreuses femmes. Et bien sûr, Sébastien Houx qu'on nous présente. Il a une pilosité aussi bien cachée. I don't know.